Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel. J'espère que vous allez bien. Je crois qu'on est le 20, 26, je crois, mais je ne suis pas sûr. Non, on est le 25. Je ne sais plus. Alors, on va re-regarder aujourd'hui sur les agriculteurs. Et comme je l'avais dit il y a 2 jours, ça monte en force. Et il faut que ça monte en force parce que s'ils veulent avoir gain de cause, il va falloir que ça. Allez hop, on y va. Donc voilà. Donc j'avais vu il y a 2 jours, en tirant les cartes sur les agriculteurs, que normalement les gouvernements qui mentent lâcheraient au niveau du gazole. Et vous allez voir qu'ils vont lâcher au niveau du gazole. Mais ça serait bien qu'ils lâchent aussi pour les autres problèmes que nos chers amis les agriculteurs ont. Et puis il y a plein d'autres personnes aussi qui pour moi vont venir faire grève aussi, on voit pas mal de grèves. Donc on va faire les agriculteurs, qu'est-ce qui se passe pour eux? Et la joie. La joie. On regarde, d'abord je vais regarder au jeu de 32, tiens. Allez, je vais regarder au jeu de 32, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va empirer ces grèves avec les agriculteurs et est-ce qu'ils vont avoir gain de cause? Pour moi, ça devrait s'empirer et ils devraient quand même gagner un peu plus que je pensais parce que ça va grossir au niveau des blocages et des grèves. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le 32? Ça peut être un peu d'argent, un peu de choses, un peu de gains gagnés, des gains gagnés. Triomphe, meilleure carte des tarots du 32. Donc, vous voyez, ça change, hein. C'est pour ça que je vais le refaire. Est-ce que nos agriculteurs vont avoir gain de cause? Au 32 cartes, est-ce que nos agriculteurs vont avoir gain de cause? En centre de jeu, vous avez des nouvelles, des va-et-vient. Ça, c'est les petites nouvelles, des va-et-vient. Très grande joie pour eux ici, avec le 10. De cœur, et là le chien de pique nous annonce quelque chose, on va recouvrir après. À leur pensée, un homme en tête, un homme un homme, ça peut être quelqu'un en tête de cortège aussi, ça peut être quelqu'un qui essaie de faire grossir ses grèves pour avoir gain de cause. On recouvre. Alors, est-ce que nos agriculteurs vont avoir gain de cause? Eh bien, ça serait bien, hein, parce que quand même, hein, petite joie ici, on en aura nouvelle. L'as de carreau, c'est des nouvelles. On en aura nouvelles, beaucoup d'amour, beaucoup de. Ils sont ensemble, ils se serrent les coudes, et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux, il faut tout ça, il faut tout ça. Là, on voit un homme de loi, ça peut être un changement de quelque chose ici, comme si l'État, quand même, essaierait de remettre les lois dans l'ordre, ou ils essayaient de faire quelque chose. C'est très bon, hein, ça leur donne une grande joie aux agriculteurs. Et le chien de pique nous annonce un triomphe avec l'as de trèfle. Bah écoutez, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça voudrait dire qu'ils vont quand même aller. Moi, je pense que l'État va faire quand même quelque chose au niveau du gazole, baisser les taxes du gazole, déjà baisser le gazole pour les agriculteurs. Hein. Les agriculteurs, puis tous les gens qui ont le droit de se servir de ce gazole-là. Hein. Je regardais au tarot de Titania aussi. Pourquoi pas? Alors, est-ce que les agriculteurs. On continue les grèves. Je vois d'autres personnes se mêler à ces grèves. Moi, je vois d'autres personnes. Là, vous avez la tour. La tour, ça peut représenter la force, comme c'est situé ici, à la coupe, hein. Ils ont la force avec eux. Et puis les fleurs, c'est l'amour. Le nénuphar représente l'amour. Ils ont la force et l'amour avec eux. Et tant mieux. Et tant mieux. Est-ce que nos agriculteurs vont avoir finalement gain de cause? Et on voit beaucoup de grèves, par contre, hein. Enfin, des grèves, des manifestations. Ouais, manifestations. Le soleil en centre de jeu avec la protection. Déjà, ouf. En plus, on est en pleine lune. Réussite, meilleure carte du jeu de Titania. C'est un poisson, là. Je ne sais pas pourquoi c'est la meilleure carte des tarots, fin de ce jeu, de cet oracle. Mais c'est comme ça dans le tarot de Titania. C'est le poisson. Donc, réussite. Réussite totale sur le diable. Réussite sur le diable. Ici, parce que vous avez le serpent. Donc, tant mieux. Moi, je suis content que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis contente que les agriculteurs aillent jusqu'au bout de leurs convictions. Et ça, c'est très bien. On devrait tous les suivre. Et c'est ce que je vois. Vous allez voir, il y a d'autres personnages, d'autres personnes qui vont être avec les agriculteurs. Et que ça va y aller. Hein. Ça va y aller, ça va y aller. On en aura nouvelles. Ça, c'est les nouvelles. Et vous voyez, le chemin, il s'ouvre. Changement de chemin, changement de direction. C'est très, très bon pour nous, ça. Vous avez le chemin qui s'ouvre ici. Ça, c'est très, très bon pour nous. Le soleil ici en protection. Meilleure carte des tarots. Et là, vous avez le démon. Mais oui, il est partout. Est-ce que nos agriculteurs vont enfin pouvoir avoir gain de cause? Vous voyez, toujours la tour, la force est avec eux ici, avec le soleil en protection. Très grand triomphe dans le domaine
de l'inconnu. C'est-à-dire qu'ils font un peu des manifestations en disant est-ce que c'est un peu inconnu, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre, ils ne savent pas trop. Hein. Mais normalement, ils ont triomphe là-dessus, sans souci. Et là, bon, bien sûr, ça crée des orages. Avec même Gabriel, hein, il y a des orages avec le premier sinistre. On voit que ce n'est pas facile pour lui ici. Il y a des orages sur lui, le rat. Alors, ils essayent bien sûr de nous voler. Ça, c'est les gouvernes qui mentent, c'est la souris voleuse. Hein. Ils essayent de nous voler notre chemin de vie. Ils essayent de nous voler leur chemin de vie à eux, aussi aux agriculteurs, de leur mettre des bâtons dans les roues, comme on dit. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de grèves, enfin de grèves ou de manifestations. Vous avez le fouet ici. Ça risque pas de se passer. Des fois, ça va pas se passer trop bien. Mais on va les soutenir de toutes nos forces parce qu'on n'a pas le choix. Donc là, ça, c'est pas mal. Ça veut dire, en fin de compte, qu'ils vont avoir plus que ce que ça devait, ce qu'ils devaient avoir. Ils vont avoir quand même gain de cause sur pas mal de choses. Alors, pas sur tout, mais sur pas mal de choses. Et moi, là-haut, on me dit sur le gazole. Et le gazole, déjà, c'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Alors, je vais essayer de faire aussi avec la suite du Bélin. Ce jeu de cartes que j'aime pas mal, il est pas mal ce jeu aussi. Ah. Protection divine, une des très belles cartes de l'oracle aussi. C'est une protection qu'ils ont sur eux. Ça veut dire que le divin est pour eux et que nous sommes aussi avec eux. Alors, pour nos amis les agriculteurs, vous voyez, l'apaisement. L'apaisement dans un futur proche, l'apaisement. Je vous la montre à l'envers en plus. L'apaisement pour nos agriculteurs, eh bien écoutez, tant mieux. Moi, ça me fait plaisir. Allez, on regarde pour les agriculteurs. Sur trois cartes, est-ce qu'ils vont avoir gain de cause, ces agriculteurs? Est-ce qu'on s'en sort de tout ça, eux et puis nous aussi, hein? Parce que ça va faire, si vous voulez, ça va déclencher autre chose. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pour l'instant, c'est les agriculteurs. Mais il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a d'autres grèves, d'autres choses. Il y a d'autres manifestations, d'autres personnes. Est-ce qu'ils vont avoir quelque cause? Le cadeau, vous avez. Donc normalement, oui. Normalement, ça va. Et la sagesse, on nous dit quand même d'être sage, mais ça va marcher. Ça va marcher. Il faut qu'il continue, il faut qu'il persévère. Je le voyais il y a deux jours, j'avais dit, il faut que les manifestations soient beaucoup plus hautes, beaucoup plus dures. Est-ce que nos amis, les agriculteurs, s'en sortent? Ils ont quand même des obstacles. Hein. Oui, vous avez des obstacles en centre de jeu, mais la récompense ici. À ma gauche, donc normalement ça devrait être bon. Avec ici la girouette actuellement, un jour ça va, un jour ça va pas. Des fois ils ont pas le moral, mais normalement ils s'en sortent. Hein. Alors nos amis les agriculteurs vont-ils avoir gain de cause? Ça c'est la joie, hein, c'est la famille, c'est l'union. Et on nous dit, c'est marqué dessus, hein, regardez, hein, l'union. Il faut s'unir, il faut tous s'unir. Normalement, mais ça c'est très très bien. Pour l'instant on a l'impression d'être enchaînés. Ils ont l'impression aussi d'être enchaînés les pauvres, hein, mais il faut qu'ils continuent. C'est ça ces obstacles, hein, c'est toujours les obstacles et la peur. Mais ça va le faire, ça va le faire. Et puis ici, vous avez l'eau. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec la récompense. L'eau, je pense que c'est des problèmes climatiques. Je vais les recouvrir parce que je vois encore de l'eau. Malheureusement, il y a l'eau qui revient. Vous allez voir, il y a l'eau qui revient. Les passions, l'amour, le dragon et l'eau. Oui, il y a un problème d'eau là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a peut-être un village, quelque chose où on voit de l'eau. Bon, ça, c'est à part, c'est complètement à part. Mais pour les agriculteurs, ils ont la récompense et les mouvements, vous voyez, ça va assez vite. Hein. Ça bouge quand même pas mal. Demain, normalement, M. Gabriel devrait faire une déclaration. On verra bien ce qu'il dit. Mais moi, j'ai confiance. Et ça va bien se passer pour eux. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une très belle journée. Je vous souhaite une belle soirée. Je ne sais pas quand vous aurez ma vidéo. Je vous fais des grosses bises. Je vous dis à demain. Bisous, bisous. À demain.